Bonsoir et bienvenue sur Entrée de la où donc on va reprendre l'aventure BioShock. Quoi? Voilà, attendez, pourquoi j'ai entendu une tétière pleurer, ça me tracasse. Oh, mais quelle horreur! Je suis en mousse! Littéralement en mousse, quoi. Dépenser son compte. Ah, ça, c'est sûr que c'est mérité, là. Aïeux, connard. Et voilà ton salaire. Ah,
Eh mais c'est pas moi, il y a bien une petite sortie chiale. Pour c'était le jeu qui avait planté, pour ça que j'ai rechargé, mais non, il y a bien une petite sœur qui chiale. Par ici. Une de plus dans la famille. La station de pompage est de l'autre côté de cette jonction, petit. Fais attention à toi, tu vas rentrer sur le territoire du père Wales et de sa cohorte d'illuminés. J'ai piégé la bête sur votre seuil. Simon, Daniel a été assassiné. L'entendez-vous? Hurlant, réclamant la vengeance. Ils ont coupé le courant. T'es coincé ici jusqu'à ce que les générateurs prennent le relais. Je t'envoie quelque chose par tube pneumatique. Ça devrait t'aider. Yule pneumatique. N'oublie pas, démon. Le corps de Daniel est peut-être déjà froid, mais son âme demeure parmi les fidèles de l'Agnus Dei. Tu brûleras bientôt dans les flammes de l'enfer, et ce sera un frère éploré qui t'y aura envoyé. Ah, t'es pas fonié, j'aime bien. Allez, silence. Oh, aïe, fumier. Ah non, ça c'est pas du jeu. Ah, allez, ma Ah, j'ai plus d'Adam. Viens par ici. L'armée de tes péchés est en marche pour te juger, démon. Et ils sont légions. À fumier. Fais gaffe à toi. Éléanor Lamb est notre salut, démon. Tu ne nous priveras pas de notre ultime récompense. J'ai aidé le vieux à repeindre le plafond. Moi, c'est le malin. Il est pas atteint. Merde, merde.
Non. Tu te rapproches du temple clandestin de Simon. Plus qu'à descendre dans la station de pompage numéro 5 et à vider le parc de sa flotte. Ça commence à me manquer d'oxygène dans ce taco. Et s'il est une chose qui me désolerait, c'est que notre partenariat prenne fin ici. Oh, je lui gravis, hein. Delta, toi que Ryan a meurtri comme nul autre, réponds à cette question. Quel est le prix du paradis? Quel est le prix pour mettre un terme à ses souffrances, un terme à ses péchés? La réponse a un nom. Eleanor. Ouais, mais non, je te laisserai pas là, ma gamine. Je veux pas mourir. Viens, Monsieur B, c'est tout prêt. Ah, effectivement, pour être prêt, c'est prêt. Celui-là, de là-dedans. Oui, oui, j'ai compris. T'en fais pas. Ça va être chiant, je pense, mais... Ah, mais attendez, j'ai une idée. Les anges se souviennent de maman. Tu sais, maman. Chut, l'ange dort. Ah, c'est efficace. Qu'est-ce que tu lui veux? Allez, sors! Je déteste maintenant. Cadeau! C'est pas négociable. Donne la moi. Porte-moi, c'est ça la merde. On se retrouve dans les sacs. Tout va bien, monsieur. On apprend à s'en sortir. Tu as ton pouvoir. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, je compte bien gagner mon billet. Pourquoi? Je ne m'offre pas comme un homme. C'est chiant, tu as l'air de base. Et encore une. Et une autre. Connerie. Je dis à toutes mes copines que tu es le meilleur, Monsieur P. Non! Je voulais voir si je pouvais les récupérer. Voilà ton salut. Aïe, putain. Par contre, vraiment. Merde. Oh la vache, je suis vraiment une chips, quoi. C'est quand même affreux, hein. C'est toi? Ça veut dire qu'on est heureux ensemble? Mais oui, qu'on est heureux ensemble. Et pourquoi je suis encore ici? Parce que je suis le meilleur. Essayez de prendre ce qui m'appartient. Essayez! Vous tous! C'est à moi!
conservation. La salle de conservation. Wow, wow, wow. Quoi? Mais où est-ce qu'elle est cette connasse? Il est le meilleur de tous les Monsieur P. C'est une question de point de vue, petite. Non, mais c'est toi-même abusé d'être autant en mousse. Monsieur P, tu m'emmènes aussi à la maison? Youpi! Tu repasses quand tu veux. Personne t'a prévenu? Par ici, je vais à ma barca. Surtout, j'aurai besoin de beaucoup de doliprane. Qu'est-ce qu'elle est, cette salope? Alors, il vend quoi, lui? Mais tu ne vends rien! Putain, je te vois. Merde, quel con, je voulais pas l'adopter. Sérieux. Ça va être compliqué tout ce bordel. Alors, une, deux. Là, monsieur P, de la dent. Oui, on l'avait compris.
il y a des anges à l'intérieur. Regardons. Alors, qui a de la dent dans sa poche? Les anges ne sont pas là. Alors on va sauvegarder, ça va être bien. Ah salut les pros, excuse-moi vieux pour le temps de réponse parce que je t'ai concentré sur la petite sœur, désolé. Et bienvenue parmi nous. Je vais mettre un peu mieux le chat pour avoir une meilleure vue sur vous. Ah, c'est encore pire. D'accord, on va rester comme ça alors. Je vais surélever un peu l'écran. Voilà, désolé. Désolé. J'ai pas été toujours parmi nous. Alors, on va ramener la petite dans son plumard. Alors, sauver, bien évidemment. Oh. Merci. Oh, c'est une gamine. Enfin, là, c'est plus une petite sœur, là, c'est juste une gamine, mais voilà. Ah, tu ne connais pas BioShock. Ah, bah, si tu as tes questions, n'hésite surtout pas, je t'expliquerai. Allez. Allez, et d'une. Bon, si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas. Je répondrai à tout. Bon, sauf si bien sûr si tu spoil sur le lore. Là, évidemment, je te demanderai juste d'attendre qu'on y arrive. Alors, de la terrine de viande, de l'argent. Ta gueule! De l'argent. Il n'y a pas moyen d'aller là-dedans. Ah non. Ah d'accord, cette porte ne sert strictement à rien. C'était la peine d'en mettre une. Le docteur dit... Oh là! Arrêtez de te penser qu'à soi! Tu traites de temps! Oui, il y a un lien avec le Infinite. Aïe, bordel! Oh, oh! Ah non!
Non, 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 on arrête les conneries. Aïe. Ah, merveilleux. Je n'ai plus de ressources. Ah, ça va être compliqué. Alors oui, il y a un lien en fait. Comment expliquer cela? En fait, c'est comment expliquer ça sans trop spoil de 3 qu'on va faire. C'est ça le problème. Qui va là? Je t'ai entendu. Va mourir, gros sac. Alors, le 3 personnes. Ah oui, oui, non, mais je comprends. Je me doutais bien que tu devais connaître Infinite. Parce que Infinite, c'est vrai qu'il est vachement plus récent que le 1 et le 2. Ça, c'est clair et net. C'est juste en fait expliquer sans spoil, sachant qu'on va se faire Infinite. C'est un peu compliqué. Ah, t'avais ça, toi. D'accord. Mais oui, il y a un lien. Bon, maintenant, je pense pas que tu ferais expliquer sans spoil, malheureusement. Donc, je vais pas entrer dans les détails pour le moment. Mais oui, ils sont liés. Pas directement, mais oui, il y a une connotation. Alors. Ah, mais j'ai plein de trucs à explorer, en fait. Ah, bah oui. Ah, mais oui. Donc, si qui dit explorer, dit ramasser tes trucs, donc c'est très bien. Ah, excuse-moi, il y a mon chat qui fait le con. Mais après, je vais être tout à fait honnête, pour avoir fait Bioshock 1, 2 et 3, tous, enfin bref, je trouve que le 3 est le moins bon de tous. Et sans l'air être médisant, parce que honnêtement, ça m'a fait beaucoup de mal au cœur quand même de me dire ça. Ah, dans quel sens? Oh là! Bonjour! Vous allez bien? C'est ça, marre-toi, salopard. Bouge pas, hein. J'arrive, je pirate ça. Et je suis à toi. 1 et 2 et 3, c'est à moi. Voilà, il y a une trousse de soins ici. Je peux pas la prendre parce que je suis en maths, mais voilà. Mais non, on sait qu'il y en a une là. Là, c'est bloqué. Boîte à musique. C'est bizarre, on dirait une école pour enfants ici. C'est ça, marre-toi, salaud. C'est à moi. C'est à moi. Oh là, vous le voyez venir, le piège à la con. Oh là là, ça va être beau. Seul. Cher journal, tu es mon meilleur ami. Et un docteur qui vient souvent me voir. Lui, il me dit que Rapture a besoin de moi et que je vais partir avec lui demain. J'ai demandé pourquoi, mais il ne dit rien. Il sourit. Je ne suis pas orpheline. Maman est quelque part en vie. Et Tante Gracie est sûrement à ma recherche. Mais je peux pas les attendre. Je vais m'enfuir et retrouver Amir. Et on va voler un sous-marin. Avant demain, je verrai le vrai soleil. Quelque chose me dit que ça a mal fini cette histoire. Bon, ça allait encore sur Horizon Zero Dawn, honnêtement. Au bout d'un moment, on avait tellement de trucs qu'on était mort pété. Là, par contre, je dois avouer, c'est un peu plus la gale. Oh oui. Allez.
Où que t'es, mon petit cochon? Oh, dans mon dos. Allez. Non? Ah, t'es là. D'accord. Ouch, ça a dû faire mal. Oula. Ça devient creepy. Ah bah oui, mais au début, en même temps, on connaissait pas le jeu, on avait pas d'armure, rien. Mais au bout d'un moment, tu deviens tellement skillé, t'as tellement de skill à la fin du jeu que tu deviens gold tier, quoi. Je veux dire, à la fin du jeu, on défonçait tout. Oh, un ours. Il a une physique dégueulasse, cet ours. Ah oui, d'accord, il fait que c'est scripté. Aucune morale. Putain, ça je déteste. On les entend, mais on ne les voit pas venir. C'est pas cool, hein. Si c'est comme ça, moi je joue plus, hein. On vient de battre. Oh merde. Bonjour. Ah voilà, bonus de recherche chromosome. Ah ça y est, on a enfin la recherche qui m'intéresse. Organe de chromosome plafonnier, utilisable comme trousse de soins. Ça c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il meurt pas lui? Oui. C'était du script. D'accord, j'ai gaspillé tes carreaux pour rien. Un traitement plus agressif? Non! Vas-y, attends-moi! Ça fait plaisir! Viens par ici! Reviens! Ah! Toi, par contre, tu m'intéresses. C'est quoi le boss par ici? Mais je vais bien le tuer à un moment parce que ça ferait tes données de recherche. B, je ne suis pas content. Ah bah ça va, il était là. Ah c'est cool. Et en plus on a refait le plein de trousses de soins. Mais là c'est bien, on a récupéré un truc intéressant dans la recherche génétique. Maintenant on peut récupérer des trousses de soins sur les plafonniers. Et ça, mine de rien, ça va faire du bien. Alors attends, excuse-moi vieux, je l'ai étudié. Refais-le en ultra difficile et tu diras au tuyau. Sinon, ça fait plaisir de voir un passionné comme toi. Je te vois très souvent live, je passe 2 minutes dessus et je ne parle pas souvent, mais bon. Ah non, mais t'inquiète, t'es pas obligé de parler à chaque fois. Et moi, ouais, moi j'aime bien faire certains jeux en particulier. Hein. Par contre, je crois que j'ai fait de la merde. Parce que on est allé là. On est allé là, mais j'ai pas fait ça. Ah, ça me frustre. Ça tombe, il y a tes trucs bien là. Et je peux pas y retourner parce que c'est scripté cette merde. Ah, ça me frustre. Attendez, on a sauvegardé. Donc, ma sauvegarde la moins. Il y a 10 minutes d'écart. Est-ce qu'on a fait des choses bien en 10 minutes? Ok, tant pis.
C'est frustrant. Ah putain, ça me fait chier ça. Attends, il y avait des trucs bien là-dedans. Tant pis, on va pas se retaper tout ça pour rien. Ah mais oui, c'était un orphelinat de petite sœur. Ah d'accord. Oh putain! Non, 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 attends, attends, bordel, t'es chiant. Impatient que tu es. Viens, mange-toi ça. Reviens ici, c'est bon, on peut se battre. Viens, on se la donne. Voilà. Oh, et en plus, t'as tes organes, c'est très bien. Putain, comment... Quoi? Ah, ok. La flèche devenait folle. Mais oui, j'ai fait de la merde. Toi, tu vois, attendez. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée. J'ai une idée qu'on va savoir ce qu'il y a dedans. Ça me frustre. Donc, je veux savoir à tout prix. Donc, j'ai une idée. Vous allez voir, elle est géniale. Ah mais on peut pas y aller. Ah c'est bon. Ça va. On est sauvé. Je le frapperai jamais. Je lèverai même jamais la voix. Je m'occuperai bien de lui. Alors j'explore un peu hein. Parce que ça c'est un... Oh. Vendeur expert. Profitez de nourriture spéciale et sauter des surprises d'interruption. Oh oui. Oui. Ah mais je dis oui. C'est déjà fait. L'instant du tueur. Je suis un gagnant. Rapture. Les cerveaux les plus brillants au monde unis sous l'océan. Sous l'océan. Ni loi ni Dieu. Et pourtant, on attendait d'eux qu'ils adhèrent au même modèle d'intérêt personnel. Non. Vraiment, Ryan pouvait être d'une naïveté déconcertante. En tant qu'individus, quel que soit leur génie, ils étaient tous prisonniers de leur propre ego. Un océan de rêves en flux constant. Mais, dans la dent, leur gène s'accroche. Prêt à être confronté à un vecteur moral. L'utopie ne peut pas précéder l'utopien. L'utopie prendra vie lorsque nous serons aptes à l'habiter. D'accord. C'est une communiste. J'avais pas non plus envie de te voir. Ah ! Laisse-moi passer. Je suis un roi et je resterai roi. On est vers le milieu là. Là on est. Oui, là on est au milieu du jeu là. Je vais te mettre. Aïe oh, putain, hey putain. T'as pas l'impression d'interrompre quelque chose là ? Je parle et ça m'attaque. Connard. Je suis un connard. Voilà un petit cadeau pour toi. Je te demande pardon. J'ai pas un truc qui fait de sa paye moins cher là, hein? Parce que 22$. Ta gueule. Là on est plutôt vers le milieu du jeu honnêtement. Parce que là on est encore sur les boss optionnels. Enfin les boss optionnels pour façon de parler. Ah c'est quoi ça? Les infidèles ne sont pas les bienvenus. D'accord, bonne ambiance. Donc là, c'est la suite.
du jeu, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Non, c'est toi qui interromps en train de me parler. Ah ouais, non, mais je suis en train de te parler, le mec, il gueule, il nous interrompt, il me frappe. Le respect est mort. C'est à moi, ça. À moi, à moi. Oh, bonjour. Ah, c'est une plante d'Atlas, ici. Par contre, je peux te raconter un peu le lore de Bioshock 1, si tu le souhaites. Un peu. Quoi? Ça explose pas? Foutez-vous. Je suis certaine. Attendez, donc les barils sont rouges. On est dans un jeu vidéo des années 2000 et ça pète pas. Mais quel monde de merde! Conservation. Merde. Voilà, chute. Bravo. Voilà, tu bosses pour moi. Avec Crazy, comment ça va? Oh, oh putain. Je dois disparaître ici. Bonne nuit. Bah. Tu défonces à un moment ou quoi la tourelle? C'est bon? Ah ouais, d'accord, il a quand même fallu que tu tartines pas mal pour le tuer hein. Bah ça va, on stream Pepper. Disons, tu connais les très très grosses filles là. C'est à moi. Tu te doutes bien que Rapture n'est pas devenu une ville remplie de psychopathes. Butant du jour au lendemain. Oh, dites-moi que c'est Atlas. Non. Je fais des efforts surhumains pour rester lucide dans ce lieu. Les adeptes de l'ambre, eux, se sont laissés berner par ses promesses. Nul doute que cette religion qu'elle a façonnée cache une expérience scientifique démente. J'ignore ses desseins. Ce que je sais, c'est qu'ils corrompent d'innocentes fillettes comme ma Cindy. Des jeunes filles dont les familles désemparées se ruinent comme je l'ai fait pour localiser Rapture. Cette femme a fait d'elle des abeilles ouvrières, ramenant l'ignoble substance qu'elle butine dans son laboratoire. Je dois la percer à jour. J'ai entendu un fidèle marmonner qu'Alexandre était le passeur. Putain, ça aurait été trop bien qu'ils disent Atlas. Et sinon ça va, Crazy, on joue pépère. On est toujours fragile, hein, on est toujours un petit bonhomme en mousse. Ça commence à être frustrant. $22. Donc je pirate le truc. J'ai le fortifiant qui dit que ça coûte moins cher, mais je joue toujours ma race. Mais c'est merveilleux. Et en plus, il me manque une petite sœur. Donc il serait de bon ton de la trouver. J'ai oublié qu'il y avait ce bug. Ah, par contre, ça va être bien. Par contre, Crazy, on a fait une découverte très sympa dans les recherches génétiques. On a la recherche qui nous permet de récupérer tes trousses de soins sur les plafonniers. Et ça fait plaisir. Ouais, par contre, ça c'est chelou. Comment se fait-il? J'entends une petite sœur pleurer. Waouh! Ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin du tout si j'entends pleurer. Mais pourtant. Pour ceux qui. Mais en fait, il y a de la recherche génétique dans le jeu.
Ah, ça me frustre. D'ailleurs que le jeu il a planté. Rassurez-moi, on n'avait pas de petite sœur qu'on avait stoppé la dernière fois. Et en fait, pour t'expliquer, en fait, le pro... Oula. Dans le jeu, tu as donc tes recherches génétiques. Quand tu utilises cet appareil-là sur un ennemi. Qui te permet... Oula. Genre comme ça. Que comme ça, tu fais des recherches dessus. Recherches qui se complètent quand tu tues le bonhomme. Et ça te permet de débloquer tes pouvoirs. Et là, on a débloqué un de tes pouvoirs les plus pétés du jeu. Un certain type d'ennemi maintenant me donne tes trousses de soins quand il meurt. Mais pourquoi est-ce que... Pour ceux qui étaient là lors du dernier stream BioShock, est-ce qu'on avait une petite sœur? Parce que j'entends ses pleurs. Mais je la trouve pas. Donc, où j'avais tué un Big Daddy et ça allait très... Et donc, ça veut dire que j'ai paumé une petite sœur, je sais pas par quel miracle. Ou le jeu a planté. Ah, par contre, si je vais à planter, ça va être problématique. Ça va être très problématique parce que je veux la petite sœur. Pas, mais c'est bizarre quoi. Comment ça se fait? Oh, mais c'est frustrant! Attendez. Attends un peu, tu vas voir. Voilà, je me noie la gueule. On retourne là-bas. Yeah!
Aïe. Le jeu me fait un peu penser à Soma. Je sais pas si tu connais dans l'ambiance. Ouais, je connais. C'est un bon petit jeu d'horreur, un bon petit jeu horrifique. Ça fait plaisir, Soma. Mais en fait... Ah putain, salope. Deux secondes. Pousse. Oh. Ah, je t'avais des pouces, hein. Attendez. Putain, j'ai cru que c'était un pouvoir au peuple. Le jeu, surtout le 2... se veut très très horrifique quand même. Putain, les grandes sœurs, Richard, ferme tes fromages déception. D'accord, tu vas me dire comment tu fais ça sans vache. De l'argent. Il se met vraiment dans une ambiance très horrifique. Enfin, très. Un peu plus que le 1, bien que le 1 était pas mal non plus à ce niveau-là. Hein. Le 1 nous a pas trop surpris, parce que le 1 je le connais par cœur, vu le nombre de fois que je l'ai fait. Oula, il me faut du feu. Voilà.